Belinda. Comment, monsieur le directeur? Il y a une erreur dans le dernier journal, monsieur le directeur. Oh, mais je regarde tout de suite, monsieur le directeur. Ne quittez pas, monsieur le directeur. Oui, je lis, monsieur le directeur. À vendre, cuisinière à charbon, bon état. Prendre adresse au journal. Oui, en dessous. Oui, je lis, monsieur le directeur. Jeune fille presque vierge, aimant nature, rencontrerait du mariage, monsieur de la campagne, âge indifférent. Est adressée 32 rue Bonarsan, Boulogne. Mais où l'erreur, monsieur le directeur? Comment, monsieur le directeur, dans l'adresse? Oh, oui, je vois, monsieur le directeur, il y a une inversion. C'est pour la fille qu'il fallait prendre l'adresse au journal, oui. Et le 32 rue Bonarsan concerne la cuisinière. Oh, mais ça n'a aucune importance, monsieur le directeur. Vous savez, à mon avis, la cuisinière, ça ne se vend plus très bien en ce moment. Non, non. Et maître Normand n'en voudrait même pas pour sa salle des ventes. Quant aux jeunes filles presque vierges et bonnes à marier, ça ne manque pas non plus à Boulogne. Oui, ne vous inquiétez pas, monsieur le directeur, c'est sans importance. Au revoir, monsieur le directeur, au revoir. Oh, ben, ça fait bien pour une petite erreur. À suivre. Bon, qu'est-ce que vous apprenez, cette bonne nouvelle? Exactement si c'est intéressant pour vous, mais pour Michel Louis. Et je vais m'en marier. Non. Faut dire que j'ai perdu une femme il y a 3 ans. Elle a beau partir un jour pour acheter du tapioca au village, elle n'a jamais revenu. Alors, mise au deux points et puis 3 ans, acheter du tapioca pour mettre dans la bouillon, il faut grand-mère elle aura revenu avec un deuxième paquet. Pour l'argent mandat. Mais, laissez-moi parler. J'ai reçu une lettre d'un avoué. Dijon, là-bas, je sais que grand-mère, elle avait fini par aller faire tête. Dijon. C'est vous tard dans ma montagne. On me rendait compte de chemin qu'elle avait fait pour trouver un paquet de tapis au club. Et d'appeler de la voir, alors, bon, alors, je suis parti tout seul là-bas, hein, c'est comme il me dit qu'elle s'avait fait accompagner par un Portugais. Un nommé Harmonica. Allez-toi accompagner à l'harmonica. Et travaillons dans le fer à côté d'un homme. Et toujours d'après l'être, à vouloir prendre les libertés. Comment avez-vous prendre les libertés pendant 35 ans? Merci de faire mon action. Après vos sonquets, et celui d'apprendre une nouvelle compagne. Et j'ai même une annonce ici. C'est qu'elle est d'accord, jamais. Oui, on dirait qu'elle est faite esprit pour moi. Jeune fille, presque vierge. Mais ça, j'ai pas vraiment comprendre. Enfin, comme moi, je ne sais plus du tout. Jeune fille, presque vierge, et mon nature, rencontrerai du mariage, monsieur de la campagne, âge indifférent, s'adresser rue Beaumarsun. Alors, je vais aller dire à cette adresse-là. Et j'ai l'impression que, vous savez, j'ai l'idée que je vais faire bonne impression. Et bon, je m'avais dit une fiancée. À peine que je serai sorti, que vous allez dire, c'est un vieux parti. Fort sensuel.
nomme Grandel pour sortie amicale. Amicale, non. Arquette est nulle. C'est d'un débourrat cette chair fraîche, oui. J'aurais plutôt pour être bien avec M. de Montcloche, son lune, avant celle pour la cuisinière et Françoise. Bon, bah, quand tu me dis d'art, c'est pour tout ça que t'as fini de cliquer les pommes de terre parce que j'ai encore quelque chose à te donner à faire. Non, mais de toute façon, ça pourrait donner. Et c'est à chaque fois comme ça quand je suis au repos, voilà. Baptiste, on a son âne, il va ouvrir. Bouge pas, on appelle. Je suis venu pour l'âne. Ah bon? Merci. Vous avez... C'est qu'à me dire, hein, quand on parle du lave, on voit ce calme. Et lève, j'ai dit. C'est pour un guet. C'est pour un voir. Alors, comme ça, vous êtes amateur. Et on s'en est fait un peu d'affaire, hein. Non, sur le côté, un coup de l'arçu quand on l'a amené ici. Mais, ça sera bon, hein. C'est pas venu hier, hein. On l'a montré, hein, c'est pas lui. Quoi, c'est dit la bosse à derrière. Ah, il est tout chéreux, hein. Il a ses dents, il faut se faire coller au mur, alors. Ah, mais, on verra, hein. C'est une mauvaise habitude, des mettre ça derrière au mur. Vous seriez son bébé, hein. C'est un vol qui désigne. Ah, ben ça, alors, de m'en congé, c'est bon que je passe quand même, mais c'est pas assez difficile. Léger comme le chocolat, la ratatouille, le mouton avec des haricots, des saucisses avec des pois cassés, des choux farcis, que il faut pas se charger trop l'estomac, surtout à Nantes. Ah, c'est bon que ceci dit. Vous savez, même avec ces gros cuisinières là, à l'écorchement, elle verra que c'est comme bon délit. D'après Françoise, hein, elle met pas longtemps à coffer. Oh non! On a pour les bains! Hein? Et puis quand elle est bien chaude, eh ben on n'avait plus qu'à mettre au palais. Madame, je vous fais remarquer que question des poils, c'est une affaire. Bon, ça fait partie de l'intimité. Bon, alors comme ça, vous êtes d'accord, hein. Et comment vous lui offrez? Oh, Baptiste, je t'inquiète trop, c'est l'affaire de Françoise, hein. Oh, ben, vous savez, la France, secret là-dedans, mais j'apporte un fer, 2 hectares de bonne terre, 12 graines, un coup, si la paille, elle va. On fera toujours une bonne soupe, mais ça, tu penses qu'on voulait payer, hein? Baptiste, je te répète, et que ça nous inquiète trop, c'est l'affaire de Françoise, et de toute façon, elle va vous faire rentrer, ben, elle s'arrangera avec lui. Ah, ben, comme ça, si elle rate, je vais pouvoir juger sur pied. Ah, Françoise, moi quelqu'un par ici. Non, du passé ça. Alors, monsieur les amateurs, vous irez jusqu'où? Vous irez jusqu'à ben, plus loin pour vite. Ah non, Françoise, elle n'est pas si exigeante que ça. Surtout qu'on a vu mon grand-père dans vos décisions. Essayez-la. On va aller à notre vin. Avec elle, on aura ton froid aux fesses. Mais si on voulait faire un essai avant, et suite à vos dispositions... Non, ça pour la peine, j'ai plus faim. On a juste pour une minute. Non, t'es à côté une minute, mais trop plus long comme ça. Surtout là, mon Dieu. Il faut quand même pas voir comment ça fonctionne. Eh ben, rien à faire, de toute façon, ça ne prend pas la peine. Non, mais c'est pas possible. On est ici pour attaquer une cuisinière à carbon et quand le propriétaire allait là, on n'en voulait plus, alors... Quoi, c'est comme les tirs. Cuisinière à carbon, il vient pour l'annonce du journal et donc c'est marqué. Il n'entra jamais.
Jeune fille, presque vierge, s'adressait 32 rue Beaumarchum 2. C'est pas un chien, là? Et lui, aussi, lui, j'ai fait passer à la langue pour mal, une cuisinière à carbon. Tiens, la preuve est là. Avant, cuisinière à charbon, bon état. Ah, il y a marqué trois adresses au journal. Et lui, j'ai redonné une adresse d'ici. Ben, c'est un erreur, alors. Ah, c'est pas un horreur, ouais. On a un beau état, il va faire des gaffes pareilles. Oh, ben, lui, je vais y aller au journal. Et s'il ne traitait pas une femme tout de suite, eh ben, il m'en a pas parlé. Bon, ben, bon, excusez-moi, je vous ai arrêté. Oh, 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 vous allez pouvoir partir d'ici sans rien prendre, non? Oh, je ne veux rien prendre ici, maman. Non, c'est... Excusez-moi. Pour une petite annonce patrimoniale, on vous aide peut-être pas obligé de la reprendre le journal. Alors, ça arrive. Oui, suis. Reste ici. Ah, à tout point, j'aimerais encore autant qu'à des cuisinières à carbone. Allez, au revoir, monsieur dame. La morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut jamais croire à ce qu'il y a dans les journaux.